Transportons-nous devant le tribunal pour une autre cause du peuple. La parole est au ministère public. Alors, monsieur Crickle-Addle-Do-Picket. Oui. On a retrouvé le corps de votre femme dans une malle dans le jardin. Oui. Une malle fraîchement fabriquée qui semblait être faite spécialement pour elle. Mais c'est pas moi qui l'ai faite. Et pourquoi me dites-vous cela? Parce que je n'ai jamais fait de mal à personne. Vous n'aviez plus de relation avec votre femme. Vous voulez dire? Vous écoutiez une bande enregistrée de matériel pornographique. Je n'ai plus cette bande. Vous êtes sûr? Je n'ai plus de bande. Et pourquoi? Pour la raison inverse. C'est-à-dire? Je ne bande plus. Vous avez un petit appareil médical sur vous. Oui, ça émet un signal sonore quand j'ai trop d'acidité dans l'estomac. Un voisin affirme avoir entendu ce signal sonore, ce qui prouve que vous seriez allé dans le jardin. Impossible, le signal est si faible qu'il n'y a que moi qui peux l'entendre. Nous vérifierons. Pardon. Nous avons interrogé quelques personnes à votre bureau et... Maître Boutier. Votre honneur. Venez-en plus vite au fait, s'il vous plaît. D'accord. Nous avons interrogé quelques personnes de votre bureau, particulièrement de vos employés. Oui. Et cette personne de votre bureau a dit des choses compromettantes à votre sujet. Qui est cette personne? Elle nous a demandé de taire son nom. Elle a trouvé dans votre bureau ce masseur sexuel électrique. Ce n'est pas à moi. Puis-je voir la pièce à conviction, Maître Boutier? Voilà. Merci. L'an dernier, vous êtes allé avec votre femme sur la côte du Pacifique. Oui. C'était au mois d'août. Au mois d'août, oui. Vous vous êtes baigné. Oui. Votre honneur? Oui, je vous écoute. Et vous vous êtes disputé parce que vous avez dit à votre épouse que vous aimiez les femmes au sexe rasé. Ouais, enfin... Mais le sexe de votre femme n'était pas tondu. Non, mais l'atmosphère l'était, croyez-moi. Vous étiez donc frustré de votre relation? Retenu, vous présumez là, maître... Vous avez un système de surveillance caméra chez vous. Oui, pour notre sécurité. On a visionné la cassette de la soirée et subitement il y a une coupure, comme si le système avait été arrêté. Je ne m'explique pas. Nous allons vous montrer. Vous êtes avec votre femme et subitement elle n'est plus là, regardez. C'est moi, chérie. Tiens, mais tu entres plus tôt? Ouais, bah, tu sais, je... Qu'est-ce que tu fais avec le système de caméra? Vous voyez la coupure? Vous rentrez, vous parlez à votre femme et d'un seul coup vous sortez. Maître Boutier... Votre honneur? Il arrive parfois qu'on parle à quelqu'un et que subitement... Ce juge est vraiment prêt à tout pour me contredire. 2 minutes, les 2 minutes du peuple.